La solution est aussi la solution politique, la solution de confiance entre les pays voisins, que chaque pays qui est signature de ce cadre d'accord fait ce qui est nécessaire. Et c'est ma responsabilité d'insister, et d'insister dans une manière très franche avec tous les interlocuteurs. Et alors, j'espère de donner un peu d'espoir, mais je ne peux pas le faire moi-même. C'est pour tout le monde. Et c'est à cause de la nécessité d'avoir la paix. Nous avons parlé des détails de cet accord, mais aussi nous avons constaté qu'il faut la paix, mais aussi il faut le développement économique. Et je sais qu'en 3 semaines, le secrétaire général Ban Ki-moon et le président du Banque mondiale, président Jim Kim, sera là avec moi comme envoyé spécial. Et je crois que c'est nécessaire de implémenter tous les détails de cet accord. Quand je réfléchis sur cet accord, je l'appelais un accord d'espoir. Cette fois, il faut que tout le monde fasse ce qu'on a promis. Et c'est à moi de l'assurer. D'aide à la réinsertion des victimes de conflits armés à CAR. Je suis très reconnaissant. Ma première visite comme envoyé spécial, vous savez bien que je reviens bientôt. Je viens.